J'aimerais annoncer à quelqu'un ce soir. Dans la Bible, il y avait une femme, une histoire que j'aime beaucoup. Anne et Pénina. Alléluia. Quand je parle ici de Anne, je ne parle pas seulement d'une femme, je parle aussi d'un homme. Alléluia. Tu es dans une position où tu cherches quelque chose. Tu pries, mais Dieu ne te répond pas. Et tu crois qu'il n'entend pas tes prières. Mais écoute-moi, il y a une position que tu dois adopter. Je suis dans la position où j'ai besoin. Mais quelle est la position que j'adopte face au Saint-Esprit? Tu es là, tu es malade, mais tu me regardes. Alors que le Saint-Esprit est prêt à te toucher. Tu es là, tu recherches un enfant, mais tu me regardes. Alors que le Saint-Esprit est prêt à te toucher. Quelle est la position? Yes, Akata. Tu es là, guérison, guérison. Tu as laissé quelqu'un malade à la maison. Tu as laissé quelqu'un à la maison malade. Le Dieu de la guérison, guérison. Guérison, guérison. Guérison, guérison. Guérison, guérison. Guérison, guérison. Guérison, tu es là. Tu peux le dire avec moi. Elia, Elia, Elia. 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 Élève ta voix. Quand sa présence se manifeste, élève ta voix. J'aime quand sa présence est là. Elle est mince. Azane ou Savane, elle est masque. Et je crois oui qu'il est mince. Quand sa présence est là,
j'aime quand tu es là. J'aime, j'aime quand tu es là. J'aime, j'aime quand tu es là. Papa, j'aime, j'aime quand tu es là. Je ressens la paix en moi quand tu es là. Même si les difficultés semblent me tenir à terre, mais quand tu es là, Jésus, j'aime, j'aime quand tu es là. Je ressens la paix en moi, yeah. Quand tu es là, Jésus, la maladie ne peut pas me retenir, Yahweh. Quand tu es là, ha, Jésus, je ressens la paix en moi, la paix en moi, Yahweh. Il y a un niveau de difficulté, il y a un niveau d'épreuve que tu pressé à un niveau pas possible. Mais je te rassure que dans la présence de Dieu, je te rassure que dans la présence de Dieu, lorsque tu déposes des fardeaux, la présence de Dieu est capable de libérer ce qui est en toi. J'aime, 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 j'aime. Chômage dans lequel tu te trouves, mais dans la présence de Dieu, tu peux expérimenter sa grâce. Et toi, qu'on a traité de stérile pendant 12 années, dans sa présence, priez sa main, je ne vais plus chanter, je vais proclamer des paroles dans ta vie. Je sais que, au travers de ma bouche autorisée, j'aime le Dieu qui reste dans ton foyer. Oui, j'aime, j'aime le Dieu qui reste dans tes études. Lorsque les gens avaient dit déjà que c'est fini, mais c'est là où Dieu commence à travailler. J'aime cette présence. Et je veux faire ce petit témoignage. Dans ma famille, je suis la plus grande. Mais mes soeurs m'ont toujours dépassée. J'étais arrivée à un niveau où je ne pouvais plus de moi-même. Mon père m'a rejetée parce que j'ai eu l'enfant. C'était ma mère qui s'est battue pour me remettre à l'école. Avec moi qui s'est battue pour me remettre à l'école. J'étais déjà dépassée parce que mes petites soeurs m'avaient dépassé les classes. J'étais à la maison, j'étais rejetée. Mon papa ne me parlait plus. Je n'avais plus un père. Je ne pouvais pas dire papa. Mais lorsque j'ai rencontré le Dieu de la synagogue, celui qui a permis que je sois celle que je suis, je vous assure que Dieu n'écoute, ne regarde pas ce que vous ne faites pas. Dieu est toujours là auprès de vous. Je viens parler maintenant à quelqu'un qui passe dans l'échec. Famille te rejette parce que tu n'es rien. Et pourtant tu es la grande, mais tu n'arrives pas à parler. Ce sont les petits qui parlent devant toi. Je viens t'annoncer que sa présence va travailler. J'aime, j'aime. Yes, amen, amen. Reçois la restauration divine. Reçois là où l'échec t'avait pris. Maintenant le Seigneur te localise. Maintenant restauration divine. Oh,
j'aime. J'aime, j'aime. Quand tu es là, c'est tellement facile. J'aime, j'aime. Est-ce que tu peux te lever et acclamer le...